Ah oui, c'est Maxime. C'est Maxime. Bien, nous allons commencer. Vous êtes nombreux. En tout cas, soyez bienvenus à l'ENC, dit Blue Way pour les intimes, l'école normale catholique. Voilà, alors je vois que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, samedi matin. Bravo pour les courageux. Merci, chers parents, et merci, chers futurs étudiants. Justement, dans ces quelques mois où les précisions sont à faire sur Parcoursup, et l'inquiétude est là. Je le sais, nous avons exactement la même chose ici avec nos jeunes de lycée. Alors, simplement, bien, la joie de vous accueillir dans cet ensemble scolaire dont j'ai la direction. Je m'appelle Alexis Molliot, j'ai la direction générale, et bien sûr, après, je vous laisserai sur les parties plus techniques avec Eric Barbier, directeur de nos classes préparatoires. Donc voilà, vous voyez, c'est un ensemble avec deux écoles primaires, un collège, un lycée et les classes préparatoires. Mais bien sûr, ce qui est important de savoir, c'est que les futurs étudiants des classes préparatoires ont leur espace. Ils s'intègrent en fait dans ce grand ensemble scolaire, dans une tradition, dans un réseau d'établissements, puisque notre établissement est ce que l'on appelle sous tutelle d'une congrégation religieuse. Voilà, tutelle tout simplement, en fait, c'est un accompagnement. Et au-delà d'un accompagnement spirituel, et aussi pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi finalement faire partie en fait, d'un réseau. Voilà. Donc notre établissement, le LC, fait partie d'un réseau de 13 établissements en, fait, en France, 22 en Espagne, et est réparti un petit peu sur les 5 continents. C'est ce qui fait que finalement, il est pour nous question de porter une histoire, un savoir-faire, un modèle éducatif. Ça fait 400 ans. Voilà. Sainte Jeanne de l'Estomac, honorable femme en fait, de Bordeaux, qui, nièce de Michel de Montaigne, bien, finalement décide de construire un nouveau modèle d'éducation à l'époque pour les jeunes filles. Les jésuites s'étaient occupés en fait, des garçons, et Saint Jean de l'Estonade décide bien sûr de s'occuper des jeunes filles. Et ce qui n'était pas une mince affaire finalement à cette époque, c'est ce qu'on retrouve en fait dans un système éducatif un peu audacieux. Alors bien sûr, dans cette tradition, on pourrait dire ignatienne, puisque Saint Jean de l'Estonac s'inspire de Saint Ignace de Loyola, dans une sorte d'exigence finalement en fait au quotidien. Alors, j'emploie deux termes particuliers, exigence, rigueur, et qui n'ont rien finalement de frottant ou de rigoureux dans le sens absolu du terme. Rigoureux, non pas ce terme que l'on voudrait sévère, austère, c'est absolument pas le cas. Vous verrez de toute façon l'ambiance qui règne en fait parmi nos étudiants des classes préparatoires, c'est plutôt un modèle convivial. C'est un modèle, en fait, finalement, où on construit ensemble. Et c'est ça qui sera très important. Parce que, chers jeunes parmi vous, là, se dessineront aussi des amitiés futures, des amitiés d'adultes, et celles, en fait, aussi, qui sont un peu plus pérennes aussi dans le temps. Mais c'est cela aussi, en fait, que vous allez rencontrer. Donc, quand je disais, en fait, finalement, un modèle exigeant, de rigueur, c'est plus, en fait, en termes de précision, de qualité. Voilà, donc, tout simplement, retenons juste, en fait, ces quelques termes. Et puis je sais, là aussi, pour en avoir rencontré, lors d'autres salons, d'autres portes ouvertes, et je pense en fait récemment à la Maison de la Chimie, une petite inquiétude qui est de se dire, est-ce que je suis fait pour ce modèle? Toute cette présentation est justement en fait en même temps aussi pour vous rassurer. Parce que finalement, et vous verrez, nos différentes communications sur les différents réseaux sociaux qui vous sont ouverts, c'est aussi pour vous montrer l'immensité en fait des possibilités. L'immensité en fait des réussites des jeunes qui finalement ont décidé ce parcours de formation et qui réussissent dans différents en fait, domaines parce que là encore d'innombrables possibilités et d'opportunités se présentent en fait à vous. Voilà. En tout cas, merci de nous faire confiance, d'être là et n'hésitez pas à toute question dans ce moment qui vous est dédié. Et bonne journée. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Donc, Eric Barbier, je suis donc le censeur des classes préparatoires. L'objectif de ce premier temps de la journée, il est d'introduire finalement aux classes préparatoires droit, économie, pour lesquelles vous êtes ici. Donc, je vais dans un premier temps vous donner l'essentiel des informations qui concernent la filière et puis, dans un second temps, des anciens étudiants nous rejoindrons de façon à témoigner à la fois des deux années passées ici et puis évidemment de leur cursus depuis qu'ils nous ont quittés
Malheureusement, on n'aura pas d'anciens étudiants qui sont actuellement à l'EDEC, qui est pourtant un débouché majeur, puisqu'ils ont cours et examen ce matin à Lille. Voilà. Et puis, vous savez que dans la suite de la journée, vous pourrez rencontrer cette fois dans nos locaux rue Barthélémy, où nous n'avons pas de salle assez grande pour vous accueillir, rencontrer nos étudiants de première et de deuxième année. Alors, dans un premier temps, les premières années, puisque les deuxièmes années sont dans leur rythme normal à 2 mois du concours, c'est-à-dire qu'ils sont en devoir sur table ce matin. Ensuite, rencontrer nos professeurs. Vous savez aussi qu'en début d'après-midi, et ça, je crois que c'est important, quand on aborde une filière dans laquelle, finalement, un certain nombre de matières ne sont pas connues, c'est-à-dire essentiellement le droit, eh bien, de pouvoir rentrer de façon un peu plus concrète dans un cours de droit, et puis également un cours d'économie, ça sera donc en début d'après-midi, entre 14h et 16h. Voilà, donc les classes préparatoires droit-économie, vous le savez, enfin si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même déjà un petit peu renseigné sur le sujet. C'est une structure tout à fait particulière dans le paysage des classes préparatoires, puisqu'il s'agit d'une classe préparatoire, je dirais à 100%, mais dans sa construction, dans sa structure, eh bien, on associe des enseignements à l'université et des enseignements dans le cadre strict de la classe préparatoire. Donc j'insiste bien sur ce point, la classe préparatoire droit-économie n'est pas un accompagnement des 2 premières années universitaires, ça n'est pas, je dirais, ça pourrait être, hein, une manière d'échapper aux amphis bondés de la L1 ou de la L2, c'est vraiment une classe préparatoire à 100%, dont l'objectif, comme toutes les classes préparatoires, est de préparer un concours, en l'occurrence celui de l'école normale supérieure. Donc vous le savez, à Blomet, notre convention nous associe à l'université Panthéon-Assas, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors peut-être en amont de... alors je précise, je vois que certains prennent des photos, ce qui est très bien, je vous enverrai, puisque vous êtes inscrit, j'ai toutes vos adresses mail. Je vous enverrai le diaporama, ça vous évitera d'avoir à vous contorsionner pour prendre en photo le diaporama. Pourquoi choisir une classe préparatoire ? Déjà, d'ordre général, avant de rentrer dans la cuisine de la classe préparatoire droit-économie. 3 raisons qui me semblent essentielles et qui me semblent importantes de redire au seuil de cette journée. Qu'est-ce qui vous, élève de terminale aujourd'hui, peut vous motiver dans ce choix qui est souvent aujourd'hui encore accompagné de vieux mythes, hein, c'est-à-dire que la classe préparatoire c'est le stress, c'est la compétition, c'est une ambiance déplorable. Voilà, on peut continuer la liste encore longtemps. Eh bien, je vais essayer de vous montrer combien finalement un parcours en 2 ans en classe préparatoire peut être également source de joie, source d'épanouissement par rapport au projet que vous vous donnez. Alors, d'abord, entrer en classe préparatoire, c'est préparer une grande école ou l'école normale supérieure. C'est donc viser, finalement, les filières les plus sélectives. C'est se mettre dans une disposition dans laquelle on veut, et particulièrement en classe préparatoire droit-économie, entrer à l'ENS pour ensuite, éventuellement, préparer les concours de la haute fonction publique. Et ça, c'est un point sur lequel nous insistons particulièrement à Blomet depuis 2 ans. Oui, il y a d'autres écoles, notamment les écoles de commerce, qui sont possibles, mais se mettre dans un état d'esprit dans lequel, finalement, le service de l'État fait partie des possibilités à envisager. En tous les cas, c'est une question à se poser nécessairement au cours de ce cursus et de ces 2 années de prépa. Donc, entrer en classe prépa, c'est préparer l'ENS et donc éventuellement devenir étudiant fonctionnaire. Je vois qu'Aliénor nous a rejoint, elle nous dira tout à l'heure ce que ça change, le statut d'étudiant fonctionnaire. Et donc, se préparer à servir l'État, évidemment, si on choisit ensuite une grande école, se préparer éventuellement à être en situation de responsabilité dans une entreprise. Donc se préparer à servir, préparer un concours, 2e point, préparer un concours, ça n'est pas la même chose que préparer un examen. Vous êtes élève de terminale dans une logique actuellement où
Je dirais que pour que ça passe, il faut avoir 10, et puis si on est un petit peu plus ambitieux, éventuellement 12, et puis si on veut être un bon élève, 14 ou 16. Mais sans objectif absolument précis. Préparer un concours, c'est vouloir faire partie des 15 normaliens ou des 200 admis à l'EDEC. C'est donc se mettre dans une logique de dépassement de soi, d'exigence vis-à-vis de soi. Et l'exigence, le dépassement de soi, ça n'est pas nécessairement le stress, comme je le disais tout à l'heure, c'est au contraire apprendre à maîtriser son stress éventuel et développer évidemment un équilibre de vie. Et ça, c'est un point absolument essentiel. L'étudiant en classe prépa n'est pas celui qui se couche tous les jours à 2h du matin, qui arrive à la prépa avec des cernes jusqu'au milieu des joues. Non, au contraire, il doit apprendre, et c'est vraiment un point sur lequel, auquel nous veillons, à gérer son équilibre de vie. Voilà. Et puis, je dirais, préparer un concours, c'est aussi, et ça c'est un autre point extrêmement positif, je dirais, au-delà des écoles qui seront effectivement intégrées, préparer un concours, c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à se révéler, être dans cette logique d'exigence et de dépassement de soi, c'est aussi pouvoir se dire, mais quelles sont mes limites? De quoi suis-je vraiment capable? Voilà. C'est vouloir, je dirais, de manière un peu triviale, mettre ses tripes sur la table en se disant, qu'est-ce que je vaux? Voilà, jusqu'où je suis capable d'aller? Voilà. Toucher ses limites, tout en ayant, évidemment, toujours cette deuxième exigence de l'équilibre de vie. Voilà. Je ne réussirai pas, en effet, si je suis fatigué tous les jours. Ce n'est pas possible. Troisième point important, travailler avec et pour les autres. L'étudiant solitaire ne peut pas réussir en classe préparatoire, ça je l'ai dit de façon catégorique. La classe préparatoire, c'est une logique d'équipe de travail. Et l'équipe de travail, ça n'est pas nécessairement, vous en avez souvent, élèves de terminale, une vision négative, parce que pour vous, ça rime avec exposé, dans lequel vous tous qui êtes là, vous êtes forcément des bons élèves. Donc c'est vous tout seul qui finalement avez fait l'exposé et les quatre autres qui n'ont rien fichu ont honteusement obtenu le même 18 que vous. Voilà, ça c'est souvent l'image que le collège-lycée vous laisse du travail d'équipe. Le travail d'équipe en classe préparatoire, ça n'est pas du tout cela, ça n'est pas par rapport à un objectif d'exercice à rendre. Le travail d'équipe, c'est tout simplement être assis à 4 ou 5 en silence dans une salle et travailler les uns à côté des autres. Rien que cela nous met dans une logique où on est plus exigeant vis-à-vis de soi. Tout simplement parce que, contrairement au moment où on est seul chez soi, eh bien, il y a ce petit objet infernal qui trouble en permanence l'attention et la concentration. On est au CDI, on est dans une salle avec les autres, on ne va pas laisser vibrer son téléphone toutes les 10 secondes. Voilà. Et puis, voilà, si on en a un peu marre et qu'on commence à regarder au plafond, chez soi, on va continuer à errer longtemps, voilà, en classe préparatoire, tout simplement, au CDI, eh bien, les autres travaillent à côté, bah, je m'y remets, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vraiment développer un esprit d'équipe. La classe préparatoire, c'est le lieu où on va vraiment apprendre cet esprit d'équipe. Je suis en panne sur tel cours parce que j'ai mal pris mes notes, eh bien, je sais très bien que lui prend très bien ses notes. Je n'ai pas compris tel point du cours, eh bien, je sais très bien qu'elle, elle est assez forte en économie et je vais pouvoir lui poser des questions. Et tout ça va se débloquer tout simplement parce qu'on est presque tous les jours ensemble. Voilà, trois points qui me semblent importants de souligner au seuil de cette réunion. Hein, préparer une grande école pour se préparer à servir, préparer un concours et donc construire un équilibre de vie et puis travailler en équipe avec et pour les autres. Alors je reviens très rapidement sur maintenant les enseignements en classe préparatoire droit économie en insistant sur le fait qu'il s'agit bien d'une filière pluridisciplinaire. Et c'est l'originalité de cette filière, hein, où on y pratique du droit civil, hein, donc là je suis sur les enseignements de classe préparatoire, du droit civil, droit commercial ou option mathématique, je préciserai ça tout à l'heure, économie, le code civil a mangé le E du économie, évidemment, donc vous voyez, on marche vraiment sur ces deux genres en classe préparatoire, droit économie, le droit et l'économie.
La culture générale, on pourra revenir sur son contenu, rencontrerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, M. Ruhutor, qui enseigne ce cours. Et puis, les deux langues vivantes. Voilà. Donc, vous voyez, six matières que l'on doit mener de front. Et donc, ça dit déjà quelque chose du profil de l'étudiant que l'on attend, classe préparatoire droit-économie, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, qui n'est pas un spécialiste d'une matière, mais qui est capable d'embrasser l'ensemble de ses disciplines. J'insiste notamment sur les deux langues vivantes, qu'il va falloir vraiment faire progresser au cours de ces deux années, mais vous comprenez que le droit et l'économie vont prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc on ne peut pas partir avec des lacunes en langue vivante, ça serait ensuite trop de temps sacrifié aux deux autres fondamentaux que sont le droit et l'économie. Vous le voyez maintenant, l'équilibre entre la prépa et l'université, on n'est pas tout à fait sur moitié-moitié, un petit peu plus du côté de la prépa, 18 heures de cours environ, 12 heures du côté d'Assas. Vous voyez ensuite l'école, les DST, les concours blancs, ça, ce sont les exercices de la classe préparatoire, hein, 2 à 3 DST par matière et par an, et 2 concours blancs par an, hein, par semestre. Et puis du côté de l'université, les heures de cours, les galops d'essai, qui sont comme des devoirs sur table, si on veut, qui font partie du contrôle continu, et puis le partiel, en fin de chaque semestre. Alors, je redis quand même que du côté de l'université, les cours qui sont proposés et qui sont retenus uniquement dans le cadre de notre convention, donc l'étudiant de DE ne va pas suivre tous les cours de la L1 et de la L2 de droit, il est dispensé d'un grand nombre de cours et ne suit que le droit civil et le droit constitutionnel en première année, qui devient le droit administratif en deuxième année, et puis il va suivre également deux mineurs sur un semestre, histoire du droit en première année et droit des sociétés en deuxième année. Alors, j'ai osé dire, il ne suit que le droit civil et le droit constitutionnel, j'ajoute immédiatement, oui, mais ce sont les deux fondamentaux du droit, donc les deux matières les plus exigeantes. Voilà, donc, nos étudiants sont dispensés de tout le reste, hein, mais ils doivent vraiment se confronter à ces deux matières qui sont vraiment celles qui vont demander le plus de travail. Hein. Donc il ne faut surtout pas croire qu'on va travailler beaucoup du côté de la classe préparatoire et puis qu'on va aller se reposer à l'université, hein, compte tenu, évidemment, vous l'imaginez, de l'exigence aussi de l'université Panthéon-Assas, eh bien, on a affaire vraiment à une double exigence. Hein. Et ça, vraiment, je tiens à le poser comme un fondement, un point de départ. Nous avons affaire à deux exigences qui sont de même ordre. L'objectif de ces deux années, il est, colonne de gauche, préparer des concours, mais il est aussi, vous le savez, donne aussi la possibilité d'intégrer un certain nombre de formations sur dossier. Du côté des concours, notre objectif, c'est l'école normale supérieure. Et donc ça, je le redis de façon très forte. Tout étudiant qui rentre en classe préparatoire droit-économie doit avoir comme objectif de préparer l'école normale supérieure. C'est vraiment notre raison d'être. Tous nos cours sont pensés, calibrés pour présenter les épreuves de l'ENS. Et donc, il s'agit de l'ENS de Rennes et du département DEM, hein, droit, économie, management. Autre concours possible, les écoles de commerce, alors selon des modalités différentes, hein, qui évoluent d'ailleurs, parce que les écoles de commerce s'intéressent de plus en plus à la filière D1, avec, vous verrez sur nos résultats de l'année dernière, un intérêt particulier pour l'EDEC, parce que l'EDEC propose un double cursus qu'on appelle Business Law Management, BLM, double cursus qui permet aux étudiants de sortir avec le diplôme de l'EDEC et avec un master de droit, un master 2 de droit.
possibilité. Donc là, c'est un concours propre. Audencia, c'est aussi un concours propre avec un numerus clausus. Et puis d'autres écoles, comme l'EM Lyon, qui sont ouvertes aux admissibles à l'ENS. Vous voyez ensuite d'autres possibilités, le CELSA, l'école d'assurance, l'ISMAP, les IEP. Il faut avouer qu'au cours de ces 7 dernières années, puisque nous avons ouvert la filière droit économie en 2015, je n'ai jamais vu d'étudiants se présenter dans ces autres formations, hein, parce que je dirais que la filière droit économie donne vraiment le goût du droit et que il est rare de s'intéresser au bout de ces 2 ans à une filière comme le CELSA. Ça sera davantage pour nos cagneux qui d'ailleurs y réussissent très bien. Mais voilà, il faut savoir, ça fait partie des possibilités. Côté formation universitaire, bien sûr, la possibilité de poursuivre en L3 à Assas. Ensuite, les magistères de droit. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des formations sélectives à l'intérieur des universités. Il y en a une 15 en France, réparties sur l'ensemble du territoire, dans la plupart des grandes universités. Il s'agit de formations donc sélectives dans lesquelles on rentre à Bac plus 2 pour un cursus qui dure 3 ans, donc qui correspond aux années L3, M1, M2. Donc on va sortir avec le titre, le diplôme de magistérien. Ces magistères peuvent être spécialisés dans différentes branches du droit, la plupart du temps le droit des affaires, mais il y a aussi des magistères de droit des nouvelles technologies, ça c'est à Poitiers, droit franco-britannique, ça c'est à Rennes, droit de l'Union européenne, c'est à Nancy. Alors, vous pouvez voir la liste complète sur notre site. Voilà, ce sont des formations exigeantes, les étudiants intègrent sur dossier, ils sont à peu près une 20aine, 20, 25 par promotion, de façon assez régulière. Hein, nous avons des étudiants qui s'intéressent et qui réussissent bien là aussi dans ces cursus. 2 autres parcours possibles sur dossier à Dauphine. Le parcours droit-gestion, il s'agit même d'un magistère, j'aurais dû l'identifier comme magistère, de gestion à Dauphine, hein, donc là aussi, filière sélective sur dossier, et puis la double licence droit-économie à Dauphine. Nous avons là aussi régulièrement des étudiants qui intègrent ces cursus, qui sont là aussi des cursus spécifiques. Donc, oui, nous n'avons pas tous les ans des étudiants qui présentent ce genre de formation. C'est lié à un projet qui va se construire au cours des 2 années. Voilà, donc, autre spécificité de cette filière, oui, concours, mais également de nombreux débouchés sur dossier. J'ai mentionné donc évidemment la possibilité de poursuivre en L3 à Assas, même si théoriquement, évidemment, ça n'est pas l'objectif qui doit être l'objectif premier, même si en fait c'est la réalité pour près de 50% de nos étudiants. Pour valider son année à Assas, il faut donc que le conseil de classe valide, le conseil de classe en prépa valide l'année, et il faut obtenir 10 sur 20 aux examens. Comme tous les autres étudiants, ce 10 sur 20 étant obtenu sur les 2 fondamentaux du droit, plus la petite matière que j'évoquais tout à l'heure, histoire du droit en première année, droit des sociétés en 2e année. Voilà les conditions pour valider son année. Voilà, quelqu'un qui ne valide pas son année à Assas ne peut pas poursuivre en 2e année chez nous. Quelqu'un qu'on ne validerait pas ici en classe préparatoire ne peut pas continuer, même s'il a plus de 10 sur 20, en 2e année à Assas. Il peut arriver, je le mentionne aussi, puisque je disais tout à l'heure que les 2 fondamentaux du droit sont aussi les plus difficiles, il peut arriver qu'un étudiant ne valide pas. Hein, c'est arrivé, il y a des années où tous valident, et puis il y a des années où 3 ou 4 parfois n'obtiennent pas ces 10 sur 20. Voilà, donc, et vous voyez là derrière hein, que l'engagement de l'étudiant en DE, il est vraiment double, et il s'agit d'être vigilant sur ces 2 dimensions de la formation. Hein, la dimension universitaire, il ne faut jamais lâcher,
Et puis, évidemment, la mention en classe préparatoire, dans laquelle on va monter en exigence tout au long des 2 années pour être au rendez-vous du concours. Alors, nos résultats, bon, vous savez, si vous êtes aussi nombreuses, vous savez qu'ils sont très bons, avec des admis donc chaque année au concours de l'école normale supérieure, avec un petit bémol l'année dernière, hein, vous avez vu, un seul admis à l'ENS, à propos d'Aliénor, qui nous parlera tout à l'heure, c'était 7 hein, l'année d'avant. En revanche, enfin, je dirais, voie de conséquence, 11 admis, j'en ai oublié un sur la photo, 11 admis à l'EDEC, hein, donc là, bon succès du côté de l'EDEC, 3 admis, vous voyez, en magistère droit franco-britannique l'année dernière, et puis, vous voyez, quand même une exception, je vous disais tout à l'heure, je n'ai vu aucun étudiant présenter le CESA, mais l'année dernière, vous voyez, l'Oman qui a été admise dans une école de communication. Alors, ça, ce sont nos résultats au concours, mais... après les 3 petits points, et sur le long terme. Je crois que c'est vraiment, là aussi, le double effet de la classe préparatoire droit économie. De par son exigence, de par l'exigence de ces 2 années, parce que vous pourriez aussi légitimement vous poser cette question, alors, la moitié de vos étudiants continuent à être 3 à l'université, donc à quoi bon ? Voilà. Surtout, j'insistais tout à l'heure en disant, attention, ça n'est pas une filière de contournement des 2 premières années universitaires. Bien, je crois que la réponse est née dans cette colonne avec les petites icônes que vous ne voyez peut-être pas en détail, mais vous verrez en grand sur notre site. Eh bien, ce sont les réussites des étudiants ensuite dans leur cursus universitaire et dans les autres concours qu'ils vont préparer. Le carré du haut indique tous les étudiants admis cette année au barreau de Paris. Là aussi, j'en ai encore oublié une qui s'est manifestée l'autre jour. Les résultats étaient fin novembre, ils étaient 13, vous voyez, 13 anciens qui du premier coup, soit alors de 2 promos ou 3 promos différents, puisqu'ils ne passent pas forcément le barreau sur la même année, certains le passent dès le M1, d'autres en M2, d'autres font encore une 3e année, voilà, et donc quasiment 100% d'entre eux ont réussi le barreau du premier coup. Voilà. Ça je crois que c'est aussi quelque chose de très intéressant à mentionner, c'est-à-dire qu'en droit, on retrouvera à nouveau un concours à un moment donné. L'étudiant de DE sait déjà ce que c'est que préparer un concours, contrairement à celui qui a suivi un cursus universitaire depuis sa première année. Deuxième élément de réponse, le petit carré du milieu, 3 de nos anciens qui sont dans une formation prestigieuse, qui est le Collège d'Europe. Le Collège d'Europe, c'est un petit peu l'ENA européenne, hein, forment les hauts fonctionnaires européens. Sur ces 3 étudiants, alors oui, il y a quand même une exception, le jeune homme du milieu est un ancien cagneux, et les 2 étudiantes sont d'anciennes étudiantes en DE, qui sont aussi normaliennes. Donc vous voyez qu'on continue ensuite, évidemment, vers des filières exigeantes. Et puis Charles, tout en bas, vous l'avez sûrement vu sur notre site, qui est de notre première promo 2017, donc, qui est notre premier admis à l'ENA, INSP maintenant, Institut National du Service Public. Il y avait, c'était 2 de nos anciens à être admissibles, et donc il repasse l'année prochaine. Chat est admis, passé le concours pour la 2e fois. Voilà, vous... irez voir sur notre site, parce que ça serait trop long et trop fastidieux, pour prolonger cette idée, vous avez un nouvel article que j'ai mis en ligne récemment, dans lequel vous avez une fiche, un fichier PDF, avec les portraits de près de 30 étudiants de la promo 2018 et de leur cursus. Donc ceux-là, ce sont ceux qui ont continué à SAS en L3, ils n'ont pas réussi de concours. Quelque part, c'était en situation d'échec. Eh bien, vous allez voir comment l'échec, si on veut, se transforme. Hein, vous verrez des cursus absolument ahurissants, hein, toujours les plus sélectifs à l'université, hein, des doubles cursus avec des masters de droit et HEC, des doubles cursus avec des masters à Paris 1 et l'ESSEC, des poursuites d'études à Dauphine
avec des doubles cursus avec l'ENS, et ainsi de suite. Voilà. Et je crois, donc, de ce point de vue-là, enfin, parcourez, prenez le temps, hein, les élèves, parce que ça vous familiarisera aussi avec l'univers du droit et ses multiples possibilités, prenez le temps de regarder à quel point, je dirais, ce cursus donne des ailes pour la suite. Et on a affaire ensuite à des étudiants qui n'hésitent pas à présenter les formations les plus sélectives et à se présenter et se représenter à des concours, y compris les plus difficiles. Et je crois que l'efficacité in fine de notre filière, voilà, même si c'est très bien évidemment d'avoir le concours, elle est là. Et maintenant, avec 5 années de recul sur la filière, on peut vraiment la mesurer. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point. Alors, quelques points maintenant sur Blomet. Comment vit-on ici? Voilà, quelle est l'ambiance? Parce que je sais que c'est aussi souvent votre préoccupation face au mythe du stress des classes préparatoires. Voilà, j'ai mis ces petites images déjà pour vous montrer qu'il se passe toujours quelque chose ici. Hein, bien sûr, c'est toujours difficile de parler d'une classe préparatoire parce que par définition, les étudiants sont derrière un bureau en cours. Bien, voyez, ici, non, il se passe aussi beaucoup de choses à côté. Alors, première chose, une chose quand même très pratique, hein, le fait d'être au centre de Paris, je pense que vous n'avez pas eu trop de mal à venir ici, parce que en effet, quantité de lignes de métro se croisent ici, donc des locaux qui sont très accessibles par les transports. Nos locaux, tout à l'heure, j'ai développé cette question du travail d'équipe et de l'importance du travail d'équipe, eh bien, nos locaux sont ouverts tous les jours jusqu'à 22h. Voilà, si je faisais ce beau discours sur le travail d'équipe en fermant les locaux à 18h30, vous comprenez que ça n'aurait pas grand sens. Jusqu'à 22h, en semaine, le samedi et le dimanche, alors le samedi c'est quand même 21h, le samedi et le dimanche, vacances scolaires à l'exception de celle de Noël. Voilà, de quoi favoriser ce travail d'équipe. Le CDI est évidemment toujours ouvert jusqu'à 22h, avec toujours un adulte responsable dans les locaux, évidemment, même le samedi et le dimanche. Et puis le dernier point, il est très important. Je dirais que ce qui a fait que dès la première année, dès 2017, on s'est positionné premier au concours de l'ENS, c'est en réalité cette raison-là. Alors bien sûr, si vous êtes aussi nombreux, c'est parce que à SAS, évidemment, on met beaucoup de paillettes dans les yeux, le fait d'être juste à côté, à 20 minutes à pied, voilà, un tout petit peu plus pour les deuxièmes années, puisque c'est le site Assas, pour les premières années, c'est le site Vaugirard, eh bien c'est ce qui favorise vraiment l'esprit d'équipe au sein de notre classe préparatoire. Je ne vous ai pas dit ce que disent beaucoup de prépa DE, je ne vous ai pas dit et je ne le dirai jamais, c'est 3 jours en classe prépa et 2 jours à l'université. Non, c'est 5 jours en classe préparatoire. Et on peut faire l'aller-retour sans problème à Assas pour un cours en milieu de demi-journée. Ce qui veut dire que le groupe existe toujours. Voilà. Que les étudiants, lorsqu'ils préparent leur TD, sont aussi dans nos locaux. Oui. Et ça, vraiment, c'est le point fondamental. Les D1, c'est toujours une classe extrêmement soudée. Et je crois que cette proximité géographique, elle est essentielle. Non seulement il n'y a pas de perte de temps dans les transports, mais on est tout le temps rue Barthélémy. Voilà, l'accompagnement, évidemment, c'est une réalité fondamentale. Monsieur Molliot en disait un mot tout à l'heure, hein, c'est une réalité fondamentale de l'enseignement catholique en général. Avec donc un professeur responsable de la classe, M. Charouin, que vous rencontrerez tout à l'heure, qui est aussi le professeur de droit civil. Nos étudiants qui ont des cols de suivi qui sont obligatoires, bien sûr, ils peuvent venir nous interpeller à la fin d'un cours, hein, ils peuvent parler avec eux, mais parfois on en a qui passent à travers des mailles du filet, c'est-à-dire que trop timide, on n'ose pas, on ne va pas déranger le professeur, donc des cols de suivi systématiques, pour être certain qu'en 20 minutes, on fait le point. Ça va pas, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, on reprend une copie, et ainsi de suite. Voilà. De façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de cet accompagnement. Parrainage des étudiants de première année par les deuxièmes années.
si le mot existait en français, je dirais couvage ou couvée, parce que alors, les étudiants de deuxième année sont toujours d'une attention débordante pour les étudiants de première année. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important, notamment pour donner, vous voyez, les petits trucs par rapport à la réussite des TD et la réussite des galops d'essai. C'est vraiment fondamental. Voilà. Et puis d'autres événements comme la journée de pré-rentrée fin juin qui permet de donner des conseils de lecture de façon à se préparer à rentrer en classe préparatoire, de façon à ne pas tout découvrir au mois de septembre, la journée d'intégration, voilà, et d'autres événements. Voilà quelques photos, la semaine de révision des deuxièmes années. Voilà. Dès samedi prochain, je pars avec 50 étudiants des Cagneux et des D1. On part à l'abbaye de Mondet pour une semaine, voilà, de concentration maximale, quelques semaines avant le concours. D'autres spécificités à notre prépa DE, renforcement des cours d'économie, ça c'est aussi un de nos points forts. Vous rencontrerez tout à l'heure M. Ligonnière, qui est professeur d'économie, et puis il y a deux autres professeurs d'économie, voilà, qui marquent aussi fortement la dimension de notre classe préparatoire, voilà, avec une insistance vraiment particulière sur l'économie, avec quelques cours, et ça c'est une originalité, hein, de microéconomie, de façon à rentrer dans une compréhension plus profonde du cours d'économie en général, des séminaires sur les temps de relâche d'Assas, c'est-à-dire en septembre, quand les cours n'ont pas commencé à Assas, en janvier, après les partiels, ou en juin, on ne va pas laisser nos étudiants à mi-temps, ce serait une aberration. Donc, nous leur proposons ce qu'on appelle des séminaires, c'est-à-dire par groupe de 6 ou 8 heures, de géopolitique avec M. Verluis, qui est notre professeur de géographie en Cagne, qui est aussi le directeur du DiploWeb. Hein, si vous êtes en SPA-GGSP, vous ne pouvez pas passer à côté du DiploWeb. Et puis des séminaires aussi de philosophie politique avec M. Grèce, qui est notre professeur de spécialité philosophie en Cagne. Voilà. Donne aussi, voyez, par rapport au cours de culture générale, une appréhension globale qui va permettre à l'étudiant, notamment lors de ses oraux, vous voyez, de ne pas être simplement quelqu'un qui récite, qui montre qu'il a bien compris, qu'il est un bon étudiant, mais voilà, qu'il a aussi, derrière son analyse, le jury doit être capable de le sentir, une capacité d'une appréhension globale d'un sujet. Les conférences, elles sont très nombreuses, voilà, quasiment une par semaine, là aussi qui permettent de comprendre vraiment dans toutes ses dimensions le monde dans lequel nous vivons, des conférences de géopolitique, on en a déjà eu 3 cette année, d'autres sont à suivre, des conférences de philosophie politique, on a eu la très très grande chance, voilà, de rencontrer la semaine dernière Pierre Manant, voilà, hein, qui est Pierre Manant, notre grand philosophe sur les questions du libéralisme notamment, les questions de philosophie politique. Alors, il vient publié un livre sur Pascal, donc là aussi c'était intéressant, sur la question de la force et de la justice, hein, avec un éclairage tout à fait intéressant. Mardi dernier, c'était Jean-François Bronstein sur le wokisme. Des conférences plus directement liées au droit, et là aussi, ceux parmi vous qui êtes juristes, vous avez forcément lu et passé des heures dans les manuels du professeur Hennes, et bien il était là hier soir, voyez, pour des sujets beaucoup plus techniques sur le droit, la liberté de création de droit réel, le pouvoir unilatéral du co-contractant. Et puis, vous voyez en bas notre insistance, hein, et ça on y revient régulièrement, hein, on a rencontré fin novembre ces 2 commissaires de police. Être fonctionnaire au service de la nation, quelle valeur, quelle mission. On aura une autre rencontre du même ordre au mois de mars. Hein, je vous le disais, on ne peut pas rentrer en prépa droit économie si à un moment donné, on ne s'est pas posé cette question du service de l'État. Et nous aurons ensuite, toujours dans cet état d'esprit, au mois de mars, 3 conférences d'une philosophe, Émilie Tardivel, qui vient de créer une chaire entreprise et biens communs à l'ESSEC, qui va venir nous faire réfléchir toujours dans cette optique du service public à ce que c'est que ce concept, hein, qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus, hein, pour l'opposer à
la question de l'intérêt général, le concept de bien commun. Ces conférences, elles vous sont ouvertes, voilà, même si parfois elles sont un peu techniques, donc il ne faut pas évidemment fuir en disant « j'ai rien compris ». C'est évident que vous n'allez pas tout comprendre non plus, parce que vous n'avez pas le bagage d'un étudiant de première ou de deuxième année, mais ça peut être aussi intéressant d'y participer pour voir la façon dont nous appréhendons tel ou tel sujet, la façon dont, le type de sujet qui nous intéresse. Voilà. Il y a un lien sur notre site sur lequel vous pouvez vous inscrire pour nous dire « je souhaite participer à telle ou telle conférence, notamment celle d'Émilie Tardivelle ». Autre dimension de l'ENC de Lomé, nous sommes un établissement catholique, monsieur Molliot le rappelait tout à l'heure, et donc l'annonce de l'évangile fait bien sûr partie de nos missions essentielles, fondamentales, je dirais même centrales, et donc pour nos étudiants de droit économie, nous avons construit un parcours autour de la doctrine sociale de l'Église. Pas toujours le discours le plus médiatisé de l'Église, on préfère médiatiser des discours qui font plus polémique, mais peut-être d'ailleurs parce que celui-ci infuse beaucoup plus la société qu'on ne le pense. Donc que dit l'Église quand elle parle ? Eh bien, des sujets qui sont traités en cours, de droit ou d'économie. Donc que dit-elle sur l'écologie ? Que dit-elle sur le travail ? Que dit-elle sur la question du libéralisme ? Que dit-elle sur l'État ? Que dit-elle sur la mondialisation, sur les migrations aujourd'hui. Voilà, c'est un discours très riche, très dense, beaucoup de textes, donc avec une jeune philosophe, qui est professeur pas loin d'ici, qui construit ce parcours tout au long de l'année. Voilà. Qu'on soit chrétien ou pas, l'Église est aussi un acteur social, et donc... prendre en compte son discours est aussi absolument important quand on veut comprendre la façon dont fonctionne la société. Voilà, et en début d'année, on a rencontré Olivier Bonassier sur le livre qui est devenu un très grand best-seller au début de l'année dernière. Voilà. Une retraite qui est proposée également chaque année. Cette année, c'est à l'abbaye de Saint-Vendry. Voilà, puisqu'ils travaillent tous les jours et qu'ils se remplissent la tête de beaucoup de choses tous les jours, qu'avons-nous fait ? Nous avons chanté pendant 3 jours. Une manière de se ressourcer, de se repositionner, de reprendre possession de son corps, c'était absolument fantastique. Voilà, et puis, alors ça je vous y invite fortement, tous les ans nos étudiants prennent en main, de A à Z, du choix du sujet jusqu'à la réalisation finale, 3 mardis des Bernardins, c'est-à-dire 3 tables rondes dans le cadre d'un cycle au Collège des Bernardins, d'un cycle qui s'appelle les mardis des Bernardins. Et donc cette année, les 3 filières ont décidé de reprendre cette question du commun. Voilà, qu'avons-nous en commun ? Qu'est-ce qu'un commun ? On articule aujourd'hui beaucoup le commun à l'écologie, mais il a des dimensions encore beaucoup plus larges. Et donc les littéraires ont choisi pourquoi lire ? La lecture comme commun. Que doit-on à son pays ? Ça, ce sont les D2. Et qu'est-ce qui unit encore les Français ? Ce sont les D1, début avril. Avec à chaque fois, pour les D1, il y aura 2 députés, un historien, un sociologue. Que doit-on à son pays ? On a encore chopé Pierre Manant au passage. Et il y aura encore d'autres intervenants. Pourquoi lire ? Une romancière tout aussi académicienne, un éditeur, un critique littéraire et un exégète. Voilà. Donc des soirées vraiment très très riches. Vous aurez bientôt sur le site du collège les liens pour vous y inscrire. Voilà, je vous disais aussi tout à l'heure l'attention que nous portons à l'équilibre de vie. Alors bien sûr, cet équilibre de vie peut être vécu en dehors de la prépa, mais nous faisons aussi un certain nombre de propositions de façon à bien manifester que c'est important. Voilà, que c'est important d'aller chanter, d'aller courir, d'aller boxer ou d'aller au cinéma et que ça n'est pas réservé à l'après-prépa. Non, c'est vraiment essentiel pour s'investir. Alors, ça n'est plus du loisir comme on a pu le vivre. C'est une façon de se recentrer sur soi pour s'investir encore mieux ensuite dans son travail. Voilà, j'en viens maintenant aux questions qui vous préoccupent peut-être plus directement aujourd'hui.
qu'est-ce qu'un étudiant, qu'est-ce qu'un élève de terminale, qu'est-ce qui est attendu d'un élève de terminale dans son dossier pour postuler en prépa droit économie ici à Blomet. Donc j'insiste sur le fait qu'aucune spécialité n'est obligatoire. Voilà. Évidemment, certaines spécialités peuvent être intéressantes pour tester son appétence, notamment la spécialité économie. L'option droit et grands enjeux, elle est intéressante, mais ça n'est pas non plus un critère absolument décisif. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire le MOOC qui est sur le site d'Assas, il y a le lien aussi sur notre site, le droit est fait pour moi. Voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez rentrer dans une dimension plus technique du droit, alors que l'option droit et grands enjeux, elle est faite pour séduire, mais elle ne montre pas forcément ce qu'est le droit dans son caractère concret et technique. Hein. C'est quoi le code civil, c'est quoi la constitution, bon. Un niveau d'ensemble équilibré, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une filière pluridisciplinaire, hein, donc l'objectif c'est aussi de maintenir, de montrer que cette pluridisciplinarité, elle a été au rendez-vous, notamment dans vos deux années de première et de terminale. La rédaction est fluide, ça c'est vraiment le point important, on va regarder avec attention les matières à dissertation, le français, la philo, l'histoire géo, même si malheureusement cette réforme du bac tellement catastrophique élimine quasiment la dissertation du lycée, eh bien on va quand même regarder le juriste rédige, voilà, et le juriste rédige très bien, donc ça c'est vraiment extrêmement important. Rédaction fluide, raisonnement rigoureux, hein, on voit bien parfois. Il ne suffit pas de mettre « donc » dans une phrase pour qu'il y ait un véritable lien de cause à conséquence. Voilà. Or, souvent, les « donc » sont de l'ordre de la magie. C'est-à-dire, j'ai mis « donc », c'est donc qu'il y a un lien. Ben non, pas forcément. Et voilà, si vous voulez, l'enjeu premier en classe préparatoire en droit économique. C'est ce genre de préoccupation, avant de s'intéresser à tel ou tel compréhension de tel ou tel article du Code civil. Curiosité à l'égard du monde contemporain, ça c'est ce que j'ai bien voulu vous montrer en vous passant en revue les conférences tout à l'heure. Voilà, niveau de langue vivante, correct à l'écrit et à l'oral, là aussi, hein, montrer dans votre dossier que vous savez écrire anglais et pas juste baragouiner en anglais. Chez nous, on a le droit de parler si on a d'abord bien écrit. Voilà. Je sais qu'au lycée, aujourd'hui, c'est l'inverse. Voilà. On commence par parler et on va cacher ses lacunes à l'écrit par un oral correct. Et ça, dans les deux langues vivantes. Et puis, un travail personnel régulier, bien organisé. Je ne veux pas voir dans les lettres de motivation, je vais m'y mettre. Ça y est, monsieur, j'ai pris conscience, je vais m'y mettre. Je le lis beaucoup. Hein. Non. C'était hier, hein, de façon à ce que maintenant les bases soient solides et qu'on soit sur une logique de croissance forte. Voilà la procédure d'admission. Donc vous savez que la prépa DE à Blomet est hors contrat. L'État ne veut pas de nous, manifestement, mais nous existons bien. Et tout va bien, donc notamment la convention avec l'université Panthéon-Assas fonctionne bien. Nous sommes sûrement dans un schéma trop compliqué, puisque établissement sous contrat, filière hors contrat, mais en convention avec une université publique, là on fait exploser les logiciels de l'éducation nationale. Donc, de façon à ne pas susciter trop de confusion, hein, on a repris exactement le calendrier et grosso modo la procédure de Parcoursup pour que vous ne soyez pas perdus. Donc constitution des dossiers jusqu'au 6 avril, tout ça est sur notre site, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à constituer vos dossiers dès maintenant, vous pouvez y revenir pour ajouter des pièces complémentaires, notamment votre bulletin de second semestre que vous n'avez pas aujourd'hui, vos résultats de vos appréciations, les appréciations des professeurs qui sont sur une fiche à télécharger, et puis enfin les résultats des épreuves de spécialité pour lesquelles je n'ai pas mis de date parce que nous ne savons pas vraiment à quel moment ils vous seront transmis. Voilà, mais ça c'est des pièces que vous pourrez alimenter progressivement. Voilà, nous vous donnons les réponses
à partir du 1er juin comme Parcoursup, avec trois possibilités, hein, oui définitif, non définitif, et puis je veux à nouveau être remis sur la liste d'attente. Pour plus de clarté, comme le fait Parcoursup, hein, je vous dis qu'en 2022, nous avions environ 900 dossiers. Alors, c'est un chiffre à manier avec attention, parce que l'an dernier, c'est la première année, n'étions pas sur Parcoursup. Donc, je sais que beaucoup de gens ont dit « Ah, ben, vous n'existiez plus ». Si, Parcoursup, on peut exister sans Parcoursup. Et puis, alors évidemment, vous pouvez faire un ratio strict en vous disant 900 pour 50 places, c'est difficile. N'oubliez pas que chez ces 900 candidats, je pense que c'est la réalité pour vous aussi, il y a 900 motivations différentes. Voilà, il y en a pour qui Blomès sera le vœu 1 absolu, et puis il y en a pour qui sera un vœu plus relatif, voire très relatif. Voilà, donc... mon travail consiste à déceler ceux pour qui c'est un vœu absolu, ceux qui me disent qu'ils veulent venir à Blomet, mais... Bon, voilà. Et donc ça, une chose très importante, hein, parce qu'il se passe dans notre procédure la même chose que sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'il arrive un moment de blocage. Et donc, vous voyez qu'on est quand même allé jusqu'au rang 700 l'année dernière, parce qu'il... Voilà, il y a des désistements, y compris de gens qui confirment leur inscription. Voilà, ils disent « oui, je viens », et qui finalement se désistent en plein été. Voilà, vous me souhaitez un bon été. Voilà, je précise aussi une chose importante, hein, c'est que près de 50% de nos étudiants viennent de province. Hein, donc nous avons l'habitude, je sais qu'il y a parfois une espèce de petite auto-censure en vous disant... Je viens de Bordeaux, je viens de Marseille, est-ce que je suis légitime dans une prépa à Paris? Oui, hein, évidemment. Et donc nous avons l'habitude d'accompagner ces étudiants dans la recherche de foyers, de chambres. Hein, nous avons un bon réseau de chambres et de foyers. Donc oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Voilà, je récapitule hein, quelques points. Un horizon intellectuel ambitieux, c'est vraiment l'objectif de la D1. Mais nous accompagnons. Hein, nous ne sommes pas juste là pour dire toujours plus haut, oui, mais nous sommes là avec eux. L'équilibre de vie, hein, le travail d'équipe, et puis une formation qui permet aussi d'interroger les fondements, le sens de son travail. Je sais que beaucoup d'entre vous ont coché, lorsqu'ils se sont inscrits, D1 et IPOCAM, ou d'autres, D1 et D2. Donc juste un petit mot là-dessus, pour vous troubler, semer le trouble dans vos esprits, et bien que tous les juristes ne sont pas issus de la D1, et j'en vois même de plus en plus issus de la CAGN. Et donc, ce que je veux vraiment interroger là, c'est pas forcément vous faire venir en IPOCAM, hein, mais c'est vous dire que ces deux premières années sont vraiment les années dans lesquelles vous allez donner des fondements, et des fondements pérennes en termes de méthodologie, en termes de culture. Et donc, si vous voulez, laissez de côté la question des tactiques. Voilà, pour aller là, il faut passer par là, comme s'il y avait des trucs, il faut passer par telle case, si je coche pas telle case, alors j'irai jamais là. Non. La classe préparatoire, je crois que c'est vraiment sa réalité, notamment littéraire D1, D2, c'est de donner des fondements et une méthodologie qui ensuite pourra être mise à l'épreuve de n'importe quel projet, ou presque, évidemment pas médecine et pas ingénieur. Hein. Mais, donc vous voyez, Amélie, qui sera là tout à l'heure, qui est une ancienne cagneuse, elle a été admise cette année à l'école de la magistrature, et l'an dernier aussi, on avait une ancienne cagneuse admise à l'école de la magistrature. Au centre, Raphaël prépare le barreau et vraiment, lui, il s'est coltiné au droit des affaires. C'est un ancien cagneux. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au Collège d'Europe, trois anciens Blomet au Collège d'Europe, dont un ancien cagneux. Voilà, donc, si vous voulez, la vraie question, c'est quelle filière me donnera des ailes? Quelle filière me donnera la méthodologie? Quelle filière
exploitera, révélera le mieux possible mon potentiel actuel. Voilà. Et puis la classe préparatoire D2, pour ceux qui hésitent entre les deux filières. Donc, je ne peux pas vous annoncer de résultats en classe préparatoire D2, puisque nous l'avons ouverte l'année dernière. La classe préparatoire D2 par rapport à la D1, c'est la même structure, sont grosso modo les mêmes objectifs, mais tout en économie. La D2, c'est la filière des passionnés d'économie, qui veulent penser l'économie, qui peuvent en devenir des acteurs, puisque les écoles de commerce sont au bout aussi, mais le NS Saclay, l'ENSAE ou l'ENSAI, va former aussi des gens qui pensent l'économie, qui sont capables de l'analyser dans sa globalité. Donc si je ne peux pas vous montrer de résultats pour la D2, hein, vous avez vu tout à l'heure aussi qu'en littéraire, nous avions aussi d'excellents résultats, qui une classe deuxième après Danielou sur l'ensemble des résultats de label. En classe préparatoire D2, je vous montre simplement le fait que nous avons mis en place une équipe de choc qui fera qu'on pourra obtenir quasiment, enfin je l'espère, les mêmes résultats qu'en D1, avec une équipe à la fois de jeunes normaliens et de professeurs qui viennent de BL en Henri IV. Voilà. N'oubliez pas, voilà, si vous voulez rentrer aussi un peu dans la vie de la prépa, de vous abonner à nos réseaux sociaux. Ça, c'était la petite page de publicité pour conclure. Voilà, la parole à nos anciens étudiants maintenant. Marie, Aliénor, alors qui est là encore? J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient glissés là-bas au fond. Ils sont où? On va peut-être commencer par, par Aliénor. Aliénor était admise à l'ENS l'année dernière, donc promo 2021. Voilà. Et donc peut-être dans un premier temps, Aliénor, si vous voulez dire ce que c'est que l'ENS et puis comment on s'y prépare. Donc bonjour, donc, comme M. Barbier l'a dit, moi j'ai fait ma classe préparatoire entre 2019 et 2021, donc, j'ai passé les concours l'année dernière, et donc actuellement je suis en deuxième année à l'ENS au sein du département droit, économie, management. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ENS ça se situe vraiment dans la continuité directe de la classe préparatoire DE, puisque vous voyez bien le nom du département, on est vraiment très pluridisciplinaire, puisqu'on continue en fait sur des études de droit, donc on continue notre licence, notre master, tout en étant en parallèle dans des masters de politique publique et dans un magister de droit et globalisation économique. Donc, encore une fois, un parcours extrêmement transversal et pluridisciplinaire, donc qui fait toute la richesse de la formation à l'ENS. Je dois quand même insister sur le fait que les parcours après l'ENS sont extrêmement variés et diversifiés. C'est dommage que je sois la seule à être là, il y en a d'autres qui arrivent plus tard dans ma promo. Mais donc nous, on est 7 à avoir intégré et on fait tous des parcours ultra différents. Puisque quand vous arrivez à l'ENS, la première année, c'est un tronc commun où vous continuez en fait votre licence 3 de droit tout en étant en magistère droit et globalisation économique. Donc en fait, c'est les cours de l'ENS. Mais dès la deuxième année, vous pouvez choisir différents parcours donc qui sont assez variés. Certains étudiants choisissent des parcours pour préparer d'autres concours, notamment la magistrature et l'INSP. Et donc il y a 3 étudiants, moi de ma promo, qui sont dans 2 en magistrature et 1 qui prépare l'INSP. Il y a également des parcours plus orientés vers l'enseignement ou la recherche, donc des parcours soit tournés vers la recherche à l'international ou un parcours tourné vers la navigation et plutôt droit économie. Donc moi, c'est un des parcours que j'ai choisi et on est 3 également dans ce genre de parcours. Et enfin, des parcours pour certains étudiants qui parfois se rendent compte qu'ils préfèrent continuer davantage en économie qu'en droit et donc approfondir l'économie et donc continuer plutôt en master d'économie. Et pareil, on a un étudiant qui fait ce parcours. Donc du coup, moi, ce que je vous disais, c'est qu'actuellement, j'ai choisi un parcours qui m'emmène vers l'agrégation. Donc là, cette année, je suis en Master 1 de droit européen, Master 1 de politique publique et deuxième année de magister de droit et globalisation économique, donc tous en même temps. Donc je valide tous en une année. L'année prochaine, je passe l'agrégation d'économie gestion. L'année d'après, je ferai mon Master 2 de droit, je ne sais pas encore où, mais je verrai en temps voulu, avec pour objectif de... moi, j'aimerais bien passer les concours de cadre de la Banque de France, donc pour travailler ensuite en tant que cadre à la Banque de France, parce que, en fait, j'ai envie de pouvoir continuer dans ma vie professionnelle à avoir cette transversalité entre le droit et l'économie, et donc à
travailler dans une institution qui me permet de mêler les deux. Puisque c'est finalement un des grands apports de la classe préparatoire DE, c'est d'avoir cette pluridisciplinarité. Et vraiment, c'est le parcours où vous êtes à la fois juriste et à la fois économiste. Et donc, du coup, moi, j'aimerais poursuivre dans ma vie professionnelle là-dessus. Il y a une chose qu'il faut quand même dire sur le statut de normalien qui est quand même assez importante à prendre en compte quand vous êtes à l'ENS. Lorsque vous intégrez l'ENS sur concours, vous avez donc le statut de normalien fonctionnaire stagiaire. Très concrètement, ça signifie que pendant vos études, vous êtes rémunéré. Tous les mois, vous avez un salaire qui est assez confortable puisque c'est à peu près 1 300 € net. Et donc quand vous avez 20 ans et que vous êtes en fait, autonome financièrement puisque vous avez votre salaire, c'est quand même assez confortable. Donc je dirais pas que c'est le premier élément pour aller à l'ENS évidemment, mais c'est quand même à prendre en compte, mine de rien. Et surtout, ils cotisent pour leur retraite de 20 ans. C'est important, c'est le contexte de retraite en effet. On cotise déjà. Alors évidemment, ça n'est pas complètement gratuit puisque en échange, on a un engagement de 10 ans. On doit travailler pour l'État pendant 10 ans. Après, les 4 ans d'école sont comptés dedans. Et puis, de façon générale, comme vous avez pu le voir, on a des parcours où, de toute façon, on a une vocation en fait finalement à servir l'État et à travailler. Donc en fait, c'est pas vraiment une contrainte pour la plupart d'entre nous. Et donc c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Donc maintenant, il faut que je parle de comment réussir sa prépa, c'est ça? Un mot sur les 2 années. Alors moi, c'est 2 années que j'ai énormément appréciées, et de façon générale, je pense que tous les étudiants vous le diront, c'est 2 années qui sont d'une richesse intellectuelle. C'est absolument incroyable, et honnêtement, même si les cours à l'ENS sont passionnants, c'est vrai que la prépa était vraiment tellement riche intellectuellement que c'est un peu différent. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'indépendamment des résultats et de ce que vous allez faire, ça va vraiment vous apporter énormément. Déjà sur votre capacité de travail, en fait, vous allez vraiment repousser vos limites en classe préparatoire, essayer de vous connaître plus. Et donc vous ressortez de prépa souvent en vous connaissant beaucoup mieux, en connaissant votre méthode de travail, vos capacités de travail. Ce qui fait que quelle que soit la continuité de la DE, en fait, vous allez avoir une méthode de travail qui vous permettra de vraiment bien réussir dans la continuité. Enfin, vous avez pu voir en fait avec ce que font les anciens sur le long terme. Et même moi, je le vois honnêtement, quand on est à la faculté avec d'autres étudiants qui ne sont qu'à la faculté, il y a une vraie différence de productivité. En fait, on travaille parfois beaucoup moins qu'eux pour des résultats bien plus élevés. Donc honnêtement, il y a vraiment une capacité de travail et une méthode de travail qui est acquise pour la vie. Il y a également une capacité de réflexion. Moi, je sais que mon moment préféré dans la prépa, c'était vraiment les quelques mois avant le concours. Parce qu'on arrivait au moment où on avait fini le programme, on prenait du recul, et globalement, on nous donnait un sujet, et en 5 minutes, on était capable de sortir des plans qui étaient assez réfléchis et assez pertinents souvent. Et cette capacité de réflexion, vous ne la perdez pas, et en fait, après, vous êtes capable d'analyser même n'importe quel sujet d'actualité avec une vision assez réfléchie, prendre du recul sur les choses, avoir une vision transversale. Et ça, pareil, c'est quelque chose que vous gagnez pour toujours, et donc c'est quand même très très satisfaisant. Et enfin, le dernier point, c'est aussi la capacité à s'exprimer à l'oral. Donc vous avez beaucoup de colle à l'oral. Je sais que ça peut faire un peu peur quand on est en terminale, mais on prend très très vite le pli de cet exercice. Et en fait, quand vous sortez de prépa, vous devenez extrêmement à l'aise à l'oral, même pour ceux qui étaient parfois un peu timides à l'origine. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est très utile, puisque dans les concours que vous serez amené à passer plus tard, que ce soit le barreau, que ce soit l'ENA, souvent, l'épreuve qui fait la plus peur, c'est celle du grand oral, dont on parle souvent. Quand vous avez déjà l'habitude des oraux, ça aide énormément. Et puis même de façon générale, même si vous continuez sur des parcours universitaires, moi, dans les masters, on a des oraux et on voit très très bien la différence entre des étudiants qui ont eu l'habitude d'avoir des oraux pendant 2 ans et d'autres étudiants qui n'ont pas du tout l'habitude de l'exercice. Donc ça, honnêtement, ce sont des choses qui, encore une fois, indépendamment du résultat, sont vraiment des facteurs très très riches. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller en prépa, finalement. Et sur la réussite de la prépa, il y a un point qui a été mis en avant par M. Barbier qui, effectivement, pour moi, était très important, et par rapport à Blomet, c'est celui du cadre de vie. À Blomet, il y avait vraiment une très très bonne ambiance, notamment dans notre promo, on s'entendait très très bien. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a eu des très très bons résultats, c'est qu'on s'est vraiment soutenus jusqu'au bout. On a énormément travaillé ensemble, parfois on se collait entre nous même, on travaillait ensemble tout le temps. Même moi, j'étais la promo où on a eu le confinement et on continuait à se faire des zooms, on travaillait ensemble, on ne parlait pas, mais juste on travaillait parce que comme ça, on se motivait à bosser chez nous. Et il y avait vraiment cet esprit d'équipe et de cohésion à Blomet qui a vraiment été un facteur de réussite.
et également effectivement tout l'encadrement par les professeurs, les étudiants de deuxième année via les systèmes de parrainage, les anciens étudiants aussi, parce que en fait on revient très souvent aussi, on aide aussi un petit peu les étudiants qui sont actuellement en prépa. Et donc ça, c'est vraiment aussi des facteurs de réussite et de cadre de vie finalement qui sont très importants et qui ne sont pas négligeables. Donc c'est aussi pour ça que Blomet, et puis le fait que ce soit ouvert jusqu'à 22h, moi j'ai passé beaucoup de temps à Blomet, j'y ai resté jusqu'à 22h globalement tout le temps, sauf pendant les confinements encore une fois, mais j'ai bien profité du CDI. Toujours à côté de la photocopieuse. Toujours, j'ai ma place au CDI attribuée, presque. Mais non, et le fait d'avoir ce cadre de vie, c'est l'accompagnement et puis en même temps la prépa qui est tout le temps disponible, des professeurs très disponibles, ce sont des vrais facteurs de réussite et d'accompagnement finalement des étudiants. Et d'ailleurs, je dirais même que souvent, on considère que la prépa, ça peut être plus dur que la faculté, ça peut faire plus peur que la faculté. Maintenant que je connais les deux, moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que la faculté, justement, vous êtes un peu lâché dans le grand bain, vous n'avez pas d'accompagnement, et finalement, la classe préparatoire, vous avez un accompagnement qui honnêtement, peut vraiment aider, et en plus, qui vous aidera en même temps, en plus, à réussir la faculté à Assas. Donc, non, vraiment, je vous conseille d'aller en classe préparatoire, puisque quel que soit, finalement, le parcours que vous aurez après, ce ne sont que des points positifs et que des choses de gagner pour vous. Voilà, je passe à des questions. Merci, Eleonore. Marie, voilà l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que font nos étudiants lorsqu'ils continuent en L3 à Assas. Marie nous a quittés il y a 4 ans, c'est ça ? 2018. Oui, exactement. Alors, votre parcours ? Moi, la prépa remonte un peu plus, donc peut-être que les souvenirs sont un peu plus flous, mais moi, j'ai fait 2 années de DE à Blomet. Ensuite, j'ai été en licence de droit à Assas, en master 1, en master 2, de procédure. Parmi tous les autres collègues de DE, on a choisi plus ou moins des parcours quand même assez différents en termes de spécialité de master. L'avantage, c'est que je pense que j'avais goûté à la pluridisciplinarité en prépa et du coup, je la recherchais encore à la fac, ce qui ne s'est pas traduit par de l'économie, mais plutôt le fait de toucher un peu à toutes les matières du droit, puisque mon master en procédure, j'ai fait de la procédure civile, de la procédure pénale, de la procédure administrative et des procédures accélérées. Donc ça me permettait d'avoir une vision de 360. Et l'autre point, je pense que l'idée de servir l'État, comme vous avez pu le dire, m'avait marqué aussi, puisqu'à la sortie de mon master, j'ai d'abord travaillé pendant un an et demi au sein de la fonction publique dans une branche du ministère de la Justice qui s'occupe de l'enfance délinquante. Donc j'ai travaillé au sein d'une direction interrégionale Île-de-France-Outre-mer. Et là, j'ai pu du coup croiser à la fois mes compétences juridiques, puisque c'était principalement de l'accompagnement au déploiement d'une réforme, et acquérir des nouvelles compétences de construction de politique publique, ce que j'avais pas pu forcément travailler pendant mon parcours universitaire. Mais comme Aliénor a pu le dire, il y a des choses qu'on acquiert en prépa qui ne se perdent pas, notamment la capacité de travail et l'envie d'apprendre, je pense. Et à la suite de ces un an et demi, j'ai préparé l'examen du barreau et j'ai donc intégré le FB en janvier, là il y a un mois et demi tout juste. Plutôt en pénal, donc finalement pas tant ce que j'avais pu choisir comme spécialité, mais je pense que la richesse de la prépa, c'est que ça nous a ouvert l'esprit sur beaucoup de possibilités et sur l'idée de jamais se fermer de porte. Je vous dis ça parce que la différence pour moi entre la fac et la prépa, je ne sais pas si M. Barbier sera d'accord avec ce que je veux dire, c'est vraiment le droit à l'erreur qu'on n'a pas forcément à la fac et qu'on a à la prépa, et ce qui nous permet de progresser énormément. Je dis ça parce que comme on a énormément de colles, de DST, si vous avez une mauvaise note à une colle, vous avez un retour du colleur immédiat et ça vous permet de progresser très vite. Alors qu'à la fac, on a nos galops à la moitié du semestre et nos partiels, et finalement on est amené à devoir se faire un retour d'expérience presque seul ou aidé de nos camarades, ce que j'ai beaucoup constaté en L3 et ce qui m'a manqué, alors que l'avantage de la prépa, si je
peut vous conseiller et militer pour la prépa, c'est que vraiment, vous avez la possibilité de vous entraîner, de faire, de refaire encore et encore. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser, notamment parce que le droit est une matière complexe que vous n'avez pas nécessairement abordée au lycée. Alors même si je crois que maintenant, il y a un enseignement de droit, mais qui, je pense, est quand même bien différent de tous les exercices qu'on peut avoir à faire à la fac. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Alors, je voudrais que vous répondiez à une question que se posent beaucoup de candidats. Mmh. Prépa DE ou collège de droit à Assas? Alors, collège de droit et prépa DE, vous avez dans tous les cas peut-être l'avantage du petit groupe qui permet de s'entraider, mais collège de droit, vous êtes à la fac, donc vous êtes dans cet environnement un peu large. Évidemment, vous avez des enseignements en plus. Je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas fait le collège de droit, donc je n'aurai pas forcément toute l'expérience de quelqu'un qui a fait le collège de droit, mais ce que je vois, c'est que... On a créé un collectif au sein de la prépa qu'on n'a pas perdu par la suite, alors que le collège de droit, vous en sortez quand même régulièrement, année après année, si vous n'avez pas la moyenne qui est requise. Nous, on a créé un groupe qui a continué en licence, en master après. Et puis surtout, je pense qu'il y a une ouverture à des sujets différents, autres que juridiques, qui est plus grande au sein de la prépa qu'au sein du collège de droit, où on reste quand même centré sur des enseignements juridiques. J'espère ne pas dire de bêtises sur le collège de droit, puisque je le connais moins bien. Mais je sais que moi, ce qui m'avait convaincue de la D1, c'était vraiment cette capacité à croiser différents sujets, tant sur l'économie que sur le droit, et surtout sur la culture générale, qui, moi, m'a non seulement beaucoup marqué en prépa, mais aussi beaucoup servi quand j'ai préparé mon grand oral, parce que c'est ce qu'on nous demande, en fait, d'être capable de prendre du recul et de ne pas uniquement être centré sur des enjeux juridiques. Et ça, vraiment, comme l'école de langue, je pense que je suis allée beaucoup plus sereinement à mon oral du barreau, parce que les deux épreuves, le grand oral et l'oral de langue, c'était des choses qu'on avait déjà pu travailler en prépa, dans le cadre d'école de culture générale et d'école de droit, mais aussi dans le cadre d'école de langue. Et ça, je ne suis pas sûre que le collège de droit puisse y prétendre. Merci Marie. Marie nous a quittés il y a 4 ans, et maintenant Robin, Titien et Quentin... Sixte. Tous les trois. Non, pas Quentin. Sixte, pardon. Nous ont quittés l'été dernier. Donc, ils sont tous les trois en L3 à Assas. 6 mois après, quelle image vous gardez de vos 2 ans de prépa D1? Bonjour à tous. Bon, déjà, on n'a pas eu la même réussite que Lino, effectivement. On est tous les trois échoués au concours. Mais je crois qu'on s'en porte pas si bien, pas si mal que ça. Ça a été un vrai... moi, j'ai adoré la prépa. Ça a été peut-être les 2 meilleures années de ma vie sur tous les plans. Déjà, effectivement, intellectuellement, c'est 2 années extrêmement riches, où on apprend tellement sur nous et sur les matières qu'on aime. On apprend à se passionner pour les matières. Un point qui n'a pas été assez mentionné à mon goût, c'est que les profs sont jeunes. Par rapport au lycée, ça change tout, en fait. C'est que... Ça, je ne pouvais pas le dire. En plus, on a un échantillon outil, c'est magnifique. Mais en fait, c'est des profs qui arrivent à nous passionner, qui ont passé le concours il n'y a pas longtemps, qui, eux, l'ont réussi. Et donc, ça montre, ça permet d'avoir une vraie proximité entre eux et nous, et surtout, une meilleure compréhension, je pense. Avoir des profs jeunes qui sont eux-mêmes passionnés, c'est super facile pour eux de transmettre. Et donc, nous, on est beaucoup plus réceptifs, je pense, à cette jeune génération, peut-être. Et moi, ça a été un point qui m'a tout de suite marqué et qui m'a vraiment... beaucoup aidé, parce que tout de suite, je me suis passionné pour l'économie, pour le droit, et encore une fois, maintenant, alors même que je ne fais plus d'économie, dès que je vois un article d'économie, je le lis et j'en discute avec mes amis. Donc c'est quand même un niveau, je pense que je suis un peu piqué, mais bon voilà. Mais donc la prépa, c'est intellectuellement super enrichissant, même personnellement, on se fait des amis incroyables. On nous le dit, enfin tout le monde dit, les amis qu'on se fait en prépa, on se fait des amis par ailleurs. En fait, c'est vrai. C'est impressionnant à quel point il n'y a rien qui peut souder à ce point que des épreuves vécues ensemble. Et comme il y a en plus tout le côté journée d'intégration, parrainage, etc., on se fait des amis non seulement par le travail, mais également par les affinités qui se créent. Donc c'est vraiment excellent. Et en plus, loin de l'image de la prépa où il y a de la concurrence, où les élèves ne se parlent pas entre eux, se donnent des mauvaises fiches avec des erreurs, etc. Bon, je ne sais pas s'il y a des prépas dans lesquelles ça existe. Rassurez-vous, mais ce n'est pas le cas.
c'est vraiment... moi, j'ai travaillé énormément, notamment avec Titien, et on faisait 3 calls par semaine ensemble. On faisait des plans à 10 dans la classe, etc. À chaque fois qu'on était un peu fatigué de travailler tout seul, on voulait changer. On allait dans les salles, on proposait, et tout le monde venait. C'était super convivial. On prenait nos déjeuners ensemble. Autre chose, moi, j'ai quitté mes parents pour aller en prépa. Et j'habitais dans un foyer. Le dîner du dimanche midi, il est un peu symbolique. Nous, on le prenait à la prépa, vous imaginez quand même. C'est assez impressionnant, je trouve. Ça remplace notre famille. On est complètement dans un cadre pendant 2 ans, dans une bulle, avec des gens, et ça crée des liens incroyables. Et évidemment, dans ce contexte-là, réussir à une prépa, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on est toujours guidé, on est content de venir. On est malheureux de partir le soir, on a envie de revenir le lendemain. Les profs nous aident à faire ça, et nos amis nous aussi. Donc c'est une vraie entraide qui est super utile. Autre point, entre la prépa et la fac, il y a des liens qui n'ont peut-être pas été assez abordés selon moi. En tout cas, moi, qui m'ont beaucoup aidé, c'est que vous avez vu que le droit civil est étudié à la fois à la prépa et à la fac. Donc évidemment, les cours qui sont dispensés à la prépa, qui sont bien plus poussés que ceux à la fac, nous aident à la fac. Donc on a des meilleures notes à la fac en travaillant moins. En plus, on est en travaux dirigés ensemble. Donc ça veut dire qu'on a on peut travailler ensemble, on a les mêmes professeurs, etc. On va en groupe à la fac, donc même les temps de transport, les 20 minutes dont parlait M. Barbier, bah, ça passe tout seul. Et on peut même réviser sur le chemin si on est complètement fou. Et donc c'est vraiment un vrai avantage. Voilà. Et même maintenant, donc, on est en troisième année de licence. On revient régulièrement à Lomé parce qu'on y est attaché. Et même maintenant, ça nous aide à un point incroyable, je pense, la prépa. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai bien moins travaillé que beaucoup de mes camarades de licence 3, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est compliqué de s'y remettre après la prépa. Et on a une méthode de travail qui est bien plus aboutie. Mes collègues qui m'ont précédé l'ont dit, mais quand on passe des oraux, c'est bien plus facile parce qu'on a l'habitude de parler à l'oral, on a l'habitude de se confronter à une personne en seul à seul qui va essayer de nous piéger, etc. Donc c'est quand même le mot est un peu fort, mais de nous aider à progresser. Et, mais donc c'est sur tous les plans extrêmement utile en fait. Et donc que ce soit en licence 3, ça me donne courage pour la suite, apparemment en master 1 et 2 également, même pour la sélection des masters, on a un vrai plus sur le dossier. Tout le monde en master, quand ils arrivent, ils ont uniquement 3 années de licence. Certains en collège de droit, j'y reviendrai, mais sinon, difficile de se différencier. Alors que nous, on a tous une prépa, avec 2 ans de travailler de haut niveau, avec une renommée de la DE qui accroît chaque année. Donc évidemment, c'est un vrai plus, même pour la sélection de master, donc à long terme. Si jamais vous ratez le concours, c'est quand même un vrai plus, je pense, et les résultats des promos précédentes nous le prouvent. Beaucoup de personnes ont eu le master qu'ils voulaient, notamment à SAS, qui est, vous savez, les masters en droit, c'est absolument calamiteux cette année, et même les années auparavant. Et pour autant, les étudiants de Blumé tirent leur épingle du jeu. Je pense que ça n'est pas un hasard, et c'est à valoriser. Un mot sur le collège de droit, pour finir. On a parlé hier avec des personnes de l'école de droit, donc, qui est le prolongement en master du collège de droit. Tous les deux avaient envie d'arrêter. C'était l'angoisse absolue, apparemment. Nous, non, on n'a pas arrêté la prépa, donc peut-être que déjà c'est un premier élément. Mais en fait, je crois que le collège de droit, c'est uniquement des cours en plus. Donc effectivement, ça vous apporte cet esprit de promo soudé à une plus petite échelle. Néanmoins, ça reste uniquement des cours en plus, de droit, donc très circonscrite. Et en fait, le collège de droit, je crois, à Assas, n'est pas très coté, parce que justement, c'est uniquement 2 cours en plus. Je crois que celui de la Sorbonne est un peu plus développé, parce qu'il y a une vraie formation plus complète peut-être qu'à Assas. Mais alors que la prépa, ça n'a rien à voir. Je pense que le collège de droit ne vous apporte pas de rythme de travail. La condition pour rentrer au collège de droit, c'est d'avoir 16 au lycée ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut juste être bon en arrivant, évidemment vous serez bon en sortant. L'avantage de la prépa, c'est que vous pouvez arriver moins bon en entrant et vous sortirez merveilleux. Donc c'est quand même... On les a pas briefés, hein. Merci. Robin. Alors, tout comme Félix, du coup, moi, j'ai intégré Blomet en 2020 et j'ai passé le concours en avril. Et je me suis moi aussi retrouvé en licence 3 à Assas, comme tout le monde. C'est-à-dire que... Pas comme tout le monde. Mais comme... mais disons qu'on sait que c'est une probabilité qui existe, qu'on va se consacrer 2 ans à un concours et on va se donner à 200% pour l'avoir. On ne va avoir que cet objectif en tête presque pendant 2 ans.
On va faire des sacrifices dans notre vie sportive, avec la relation avec notre famille, on va être beaucoup plus à la prépa. On a quasiment fait du 8h-22h pendant 2 ans grâce aux horaires exceptionnels que nous permet ces barrières. Mais en arrivant dans cette licence 3, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pris la mesure de ce que m'avait apporté Blomet. Parce que le premier sentiment que j'ai qui m'est arrivé, c'est que la prépa me manquait. C'était malheureusement qu'on avait passé 2 ans tous ensemble, enfermés, toute la journée à travailler, à s'entraider, et que c'était terminé, qu'il fallait passer à autre chose, et qu'à l'université, on avait acquis une telle force de travail, on s'était prouvé tellement de choses à nous-mêmes. J'étais un mauvais élève au lycée, j'étais pas très bon. Je suis arrivé à Blomet, j'étais dans les 5-10 dernières, et au bout des 2 ans, je suis arrivé dans les élèves qui s'en sortaient pas trop mal à la prépa et qui avaient potentiellement une chance d'être admissibles au concours. Ça ne l'a pas été, mais ça a prouvé que j'étais capable de travailler à une intensité, à une force auquel je ne croyais pas quand j'avais 18 ans, quand je sortais de terminale en plus sous Covid. Donc franchement, ce que Blomet m'a apporté, je leur serai à jamais reconnaissant pour ça, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, et même pour le parcours futur, on a un tel avantage. Quand je suis en train de regarder aujourd'hui pour les masters à Assas, il y a plein de masters en droit, il y a plein de masters avec la mention droit économie. Et aujourd'hui, l'AD1, plus qu'il y a 4-5 ans, commence à être très reconnu à la fac. Avant, les professeurs de fac, qui donc sont les présidents des masters, qui font la sélection, ils ne connaissaient que la fac, ils ne regardaient que les notes de la fac. Et l'AD1 commence à se faire vraiment reconnaître. Et comme Blomet est l'une des meilleures, ça a vraiment une valeur ajoutée dans le dossier. Et on a fait de l'économie. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on a échoué le concours, oui, on est à la fac, mais on n'a pas forcément que la L3 sur notre dossier. Quand j'ai quitté Blomet, j'ai postulé à plein de magistères et j'ai aussi postulé à des diplômes universitaires. C'est ce que Assas propose pour les étudiants de L2 et de L3. Et par exemple, moi, je fais le diplôme universitaire droit des technologies et du numérique. Et je pense que j'ai pu être accepté dans ce diplôme, notamment parce que j'avais fait une prépa et qu'ils savaient qu'à Blomet, on avait une force de travail, qu'on peut étoffer notre dossier comme ça et qu'on est plus reconnu dans les masters. Donc voilà, je vous conseille très fortement de venir à Blomet pour toutes ces raisons, que c'est une expérience extrêmement enrichissante et que ça va vous marquer à vie. Je vous remercie. Patricien, bonjour. Donc moi j'ai vraiment vécu ma prépa comme une leçon d'humilité, je dirais avant tout, parce que effectivement on fait des erreurs, on apprend à s'en relever, et c'est justement une différence notoire avec la fac, c'est que la fac ça peut plus malheureusement être vécu parfois comme une humiliation, parce qu'on n'a pas ces profs qui sont là pour nous entourer, pour nous expliquer comment faire, ce qui n'allait pas, alors que je sais par exemple que j'ai été marqué par des corrections personnalisées de nos copies, là où à la fac ça va être des chargés de TD qui ont leur doctorat à passer en même temps. Là, on a des profs qui sont vraiment extrêmement souvent présents à la fac jusqu'à des horaires tardifs. Monsieur Ligonnière qui se déplace de Strasbourg, mais qui est quand même là souvent, extrêmement souvent. Donc on peut discuter avec eux, on peut aller les voir à la fin des cours, on peut vraiment, selon les affinités, du coup, avoir des moments un peu privilégiés avec nos professeurs, ce qui n'est pas du tout le cas à la fac. Donc voilà, ça a été un apprentissage, mais dans la bienveillance, contrairement à l'image qu'on a des profs de prépa qui peuvent être un peu sadiques. En vrai, c'est pas du tout le cas, justement, contrairement à cette image de la fac, c'est un peu tranquille, la prépa, c'est l'horreur. En tout cas, moi, j'ai vraiment, pour avoir fait les deux, j'ai vraiment l'impression que les images étaient un peu inversées, quoi, par rapport à la réalité. Et ensuite sur ce qui me reste de la prépa, du coup je dirais que c'est vraiment un formidable outil quand même pour se projeter dans l'avenir, parce que même si on a comme contenu d'avoir des doutes sur là où on veut aller, sur nos potentielles capacités, on sait qu'on a quand même acquis une méthode et une force de travail qu'on n'aurait pas pu avoir sans la prépa. Je m'imagine difficilement aujourd'hui réussir à Assas en L3 sans être passé par la prépa à Blomet. Je venais de Marseille en plus, donc s'intégrer s'intégrer avec des Parisiens, voilà, c'est une épreuve, mais ça se fait quand même. Il y a une vraie filière marseillaise.
C'est ça, non, les promotions sont quand même bien accueillies, voilà, donc la prépa c'est quand même bien pour ça, parce qu'effectivement on passe beaucoup de temps à se serrer les coudes, parce qu'on a une épreuve qu'on passe tous en même temps, donc ça crée de la solidarité. Et pour tailler un peu les rivaux, du coup maintenant je vais parler du collège de droit. J'ai discuté il y a 2 jours avec quelqu'un qui est au collège de droit actuellement en L1 et qui disait notamment une différence très concrète, c'est par exemple que eux n'ont pas de salle du tout pour travailler, donc en gros leur travail en commun se résume à s'envoyer des messages pour savoir quels cours sont à faire, se donner des indications, mais ça se passe sur WhatsApp, alors que nous c'est dans les locaux qui sont juste là-bas que vous pourrez visiter, qui sont très bien, mais donc voilà, encore une fois, c'est une différence notoire. Et enfin, j'aimerais terminer sur quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est une promesse que nous avait fait Monsieur Barbier, qui nous avait fait la chance de venir présenter Blomé dans mon lycée. Il avait notamment évoqué le fait que à Blomé, on se fait des amitiés, mais qui dépassent un peu le simple amusement, et on peut avoir des discussions profondes sur des sujets d'actualité et autres. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à concevoir au lycée, parce que le niveau était ce qu'il était. Et à Blomé, c'est vraiment une promesse qui a été tenue, donc on a vraiment des discussions très profondes et on crée des amitiés qui, j'espère, sont à durer. Donc voilà, merci pour votre attention. Allez-y, Monsieur Ligonnière, professeur d'économie. Alors je me permets juste de rajouter quelques petits éléments. Encore une fois, premièrement, on ne les a pas briefés. Vraiment, ce qui est le plus important ici, à mon sens, notamment par rapport à pourquoi vous voulez faire cette prépa, pourquoi vous allez faire une autre prépa, ou pourquoi vous allez faire une autre formation, c'est de discuter avec nos étudiants. C'est vraiment les meilleurs ambassadeurs. Que ce soit M. Charouin ou moi-même, on a notre discours qui est rodé année après année. Donc vous allez dire, mais quelle est la faille du discours? Vraiment, allez discuter avec nos étudiants de première et deuxième année. Vraiment. Et j'insiste, par rapport à la concurrence, on parle souvent du collège de droit. J'ai cru comprendre que la présentation parlait beaucoup du collège de droit. Mais vous avez d'autres possibilités. Vous avez les CPES, vous avez les autres prépas D1, D2, Bessières, Turgot. Moi, je vous invite à aller voir les concurrents, à aller dans les journées portes ouvertes, à discuter avec nos collègues. Moi, je vous invite à discuter avec les étudiants également pour voir à quel point ils sont heureux ou non. Moi, je vous invite à aller les voir. Et bien vous rendre compte justement, et c'est surtout ce qui va être le plus important, c'est, alors je sais que pour les parents c'est quelque chose de stressant, je sais que pour chaque année on a les mêmes questions, les mêmes questionnements, et chaque année c'est vraiment des parents qui poussent les enfants, qui poussent les élèves de terminale, mais ce qui est vraiment le plus important, notamment pour 2 ans de prépa, et on le voit chaque année, c'est vraiment ce que veut l'étudiant, ce que veut la personne en terminale. Donc c'est son choix à lui ou à elle, c'est pas le vôtre. Pas le vôtre. Donc c'est ça. 2 ans de prépa, si on vous y amène, parlez, mais si on vous force à y aller, ça ne servira à rien. C'est vraiment, moi si je peux me permettre, respectez le choix de votre enfant par rapport à ça. Et je vous invite donc à passer la journée, encore une fois, mais on ne vous présente pas que les gagnants, entre guillemets. On ne vous présente pas que les 7 ou 8 ou 4 ou 1 normaliens qu'on a chaque année. Et le dernier point, parce que l'important c'est vos questions. L'important, c'est vos questions. Le dernier point, c'est que faire l'ENS, c'est important par rapport au service public, mais en tant que normalien et ancien membre de l'ENS à l'UNI, vous avez un grand nombre de normaliens qui finissent dans le privé. Officiellement, il y a un engagement décennal. Oui, c'est vrai qu'on est filmé. Mais officiellement, il y a un engagement décennal. Mais dans les faits, vous avez quand même un grand nombre de normaliens agrégés également qui finissent dans le secteur privé. Et typiquement, les normaliens agrégés, quand vous allez dans les cabinets de conseil style Capgemini, et ceux que je connais qui sont à Capgemini ou encore à KPMG, normalien agrégé, ça équivaut à la grille de salaire de les meilleures écoles de commerce. Parce que justement, il y a le côté normalien, il y a le côté recherche, il y a le côté agrég. Donc, normal sup n'amène pas qu'au secteur public. Ça irrigue le secteur public. Et dans les faits, si vraiment vous êtes passionné par le secteur privé, vous voulez devenir entrepreneur et qu'imaginons que, voilà, au bout des 4 ans de l'ENS, vous voulez absolument devenir entrepreneur tout de suite et que vous respectez les règles, l'État vous a donné 60 000 euros de salaire, vous avez vos retraites, on est d'accord, hein, c'est ça qui est important, mais derrière vous ne devrez rembourser que 20 000 euros, à 25 euros sur le calcul. Donc, quoi que vous voulez faire, l'ENS n'amène pas forcément toujours dans le secteur public, même s'il y a cette importance du secteur public et du savoir-être. L'important pour moi, à mon sens, c'est maintenant plutôt de répondre à vos questions. Voilà, on a 10 bonnes minutes. 10 seulement. Voilà. Mais ensuite, de toute façon, vous irez au deuxième et au troisième étage où il y a une trentaine d'étudiants, d'autres anciens étudiants qui nous rejoignent. Donc on prend peut-être 4 ou 5 questions, posez-les plutôt,
aux étudiants qui sont ici. Madame.